Alors voici une tireuse contact, c'est une machine qu'on utilise pour tirer des copies à partir d'un négatif pour créer un positif avec la pellicule vierge. Donc d'un côté, on met le négatif ou les images qui sortent de la caméra ici. Et de l'autre côté, on met la pellicule non exposée. Et ensuite, on les fait passer ensemble dans la machine. La lumière va passer au travers la pellicule négative qui sort de la caméra pour exposer l'image positive sur la pellicule vierge qui est de l'autre côté, qui va se retrouver ici en bas, qu'on peut enlever et aller faire développer. Alors ici, on a une tireuse optique modèle JK, très célèbre dans le milieu du cinéma expérimental. En fait, le principe est assez simple, c'est que d'un côté, on a la caméra qui regarde un projecteur. Donc les deux se font face et au milieu, on a une surface ici où est-ce que le plan focal est refotographié par la caméra, image par image. Donc on peut insérer des filtres, on peut ralentir, on peut accélérer, on peut recadrer l'image, on peut faire des masques. La tireuse optique vient avec son séquenceur ici, qui permet d'automatiser les séquences plutôt que d'y aller manuellement, une image, caméra, projecteur. On peut programmer des séquences assez complexes qui vont s'opérer toutes seules. Donc avec la tireuse optique, on refotographie l'image par distance. Donc il y a toujours une optique qui est devant la caméra qui refotographie une surface film qui se trouve dans la gate ici. Donc, c'est le contraire de la tireuse contact où les films ont un mouvement continu, passent derrière un faisceau lumineux et ce qui est reproduit est exactement ce qui est sur le négatif. Tandis qu'ici, avec la tireuse optique, il y a toujours un recadrage et toujours une perte de qualité causée par l'optique. Donc une fois qu'on a déterminé l'exposition adéquate pour la pellicule avec les filtres ND qu'on a utilisé l'étape précédente, on peut y aller de nos manipulations. Donc ici, je vais démontrer le ralentissement de 50%, donc un photogramme au projecteur, deux à la caméra. Donc le séquenceur est utilisé pour ces séquences qui peuvent durer très longtemps si on a une bobine d'une certaine dimension. On peut aussi dupliquer les photogrammes 3, 4 ou 5 fois pour un photogramme de projecteur, donc on ralentit la séquence de plus en plus. On peut faire également des accélérations avec la tireuse optique en sautant des photogrammes au niveau du projecteur. Donc par exemple, si je prends une image avec la caméra, j'avance mon projecteur de deux images, je viens de sauter une image. Donc on accélère de 50% le défilement de la pellicule. On peut faire des variations aussi, par exemple avancer la caméra d'une image, le projecteur de trois, la caméra de deux, le projecteur de une, deux, trois, pour créer des mouvements un peu plus saccadés et variables. Donc la tireuse optique permet également de faire des recadrages dans l'image en déplaçant la caméra sur les rails ainsi que le soufflet qui se trouve devant pour aller chercher des détails dans la surface, sur la surface de l'image. On peut également travailler avec des filtres
comme on l'a vu plus tôt avec le Sinex pour trouver la bonne exposition, on travaille avec des densités neutres. Mais on peut également teinter l'image avec des fils de couleur qu'on vient insérer entre la surface du film et la lumière. On peut également faire des surimpressions. C'est une technique qui est souvent utilisée par les cinéastes expérimentaux. Donc, en fait, on a la pellicule vierge qui est dans la caméra ici. On filme une séquence. Ensuite, on retire la pellicule qui est ici, la pellicule originale, et on insère une autre séquence qu'on aimerait surimposer sur la première. On rembobine le film dans la caméra. Et ensuite, on refotographie une deuxième fois sur la même surface de pellicule une seconde séquence. Donc, on a deux séquences qui viennent s'additionner sur la même surface de pellicule. Et on peut faire ça à plusieurs reprises. Il faut simplement compenser pour l'exposition. Une autre technique pour la reproduction d'images, c'est l'agrandisseur ici que j'ai développé personnellement pour mon travail, mais qui est sans doute utilisé par d'autres individus aussi. Le principe en fait, c'est d'utiliser la source de l'agrandisseur comme lumière qu'on peut contrôler ici précisément avec un timer, une minuterie. Le pourquoi de ça, c'est que en fait, je travaille beaucoup avec du haut contraste. Qui est la pellicule jaune, comme ça, quand elle n'est pas exposée. La latitude d'exposition est d'environ un demi-stop, voire un stop. Donc, très, très peu. La latitude est très mince. Si on se trompe, il n'y a pas d'image ou c'est blanc. Blanc ou noir. Donc, la minuterie ici sert à définir le temps d'exposition précisément avec l'ouverture de la lentille qu'on trouve sur l'agrandisseur. La technique est assez simple, c'est du contact, encore une fois, comme la tireuse contact, mais ici, on parle d'une technique plus artisanale, moins précise, qui donne des résultats. Souvent, ici, on vient mettre la pellicule comme ça par-dessus, la pellicule exposée, pellicule vierge dessous. Et ici, quand on allume la lumière passe au travers la pellicule qui est exposée pour se créer l'image en dessous. Donc comme ça ici. On peut faire des contacts simples. On peut faire des contacts avec deux bouts de pellicule, donc ce qu'on appellerait un bypack, qui n'est pas la même chose qu'une surimpression. Comme ça ici. On peut mettre deux bouts de pellicule. On peut faire des déplacements aussi de pellicule. Donc si on prend la pellicule comme ça, qu'on la décale. Ça crée un mouvement de pellicule qui sort du cadre, en fait. Donc, on fait la même chose, on avance comme ça. On peut faire une séquence en avançant comme ça, 8 photogrammes à la fois. Et ensuite, on développe pour avoir notre positif. Et bien entendu, tout ceci se fait dans le noir.